Salut à tous, c'est François, donc de la chaîne Tuto News. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais vous expliquer, enfin du moins pour ceux qui en auront besoin, comment agrandir les caractères donc pour une meilleure lecture sur vos mails ou sur vos SMS, ainsi qu'éventuellement sur Safari et sur les notifications. Vous allez voir, c'est assez simple. Je vous explique tout ça en détail. Alors, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux personnes qui souhaitent une meilleure visibilité. Ça s'adresse aussi également aux personnes malvoyantes. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas donc à lâcher un gros pouce si ça vous plaît, à partager cette vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne. Ça motive toujours à continuer les vidéos. Alors, pour commencer, on va aller voir ce qui se passe un petit peu du côté des SMS. Alors, vous cliquez sur SMS et là, vous voyez que mes SMS sont d'une taille standard. On va aller voir ce qui se passe également donc dans la boîte mail. La boîte mail également a une taille tout à fait normale. Donc nous, c'est ce qu'on va vouloir aller changer pour avoir une meilleure visibilité. Vous allez dans l'onglet réglages. Une fois que vous êtes dans l'onglet réglages, vous allez aller dans l'onglet luminosité et affichage. Voilà, nous y sommes. Vous allez descendre. Et en bas, il y a plusieurs possibilités. Si vous voulez juste que ce soit un confort amélioré, mais très légèrement, vous pouvez toujours taper sur « texte en gras ». Voilà, je viens de le faire. Vous voyez que les noirs sont plus intenses et que les écritures sont plus épaisses, donc plus faciles à lire. Donc, on va retourner au mode standard et nous, on va aller dans « taille du texte ». Si vous allez dans « taille du texte », vous voyez que là, le texte actuel est écrit sur 3 lignes. Il est lisible, c'est sympa, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit plus gros. Alors là, vous allez dans la barre d'outils qui est juste en bas et vous l'agrandissez. Alors, moi, je l'exagère, bien sûr, mais pour vous faire voir que ça agrandit nettement donc les caractères. Alors, pour voir ça, on va aller dans les SMS. Maintenant, mes SMS, vous voyez que l'écriture est énorme. Voilà, donc ça facilite la lecture pour les personnes donc qui ne voit pas bien ou simplement c'est un confort de lecture que vous aurez choisi. On va également dans la boîte mail et la boîte mail, c'est pareil. Bon là par contre c'est assez démesuré, ça fait vraiment très très gros. Ce sera à vous d'adapter donc la taille par rapport à vos besoins. Ça fonctionne également pour Safari et pour Google. Voici un exemple pour Safari. Vous voyez que la barre d'outils en haut et en bas sont différentes. Et pour Google, c'est la même chose. Voilà, j'espère que ce petit tuto aurait pu aider beaucoup de monde. Donc, les personnes qui souhaitent un confort de lecture plus facile et tout simplement les personnes malvoyantes à qui ça peut rendre un grand service. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. C'était François, ciao!